Bonjour, monsieur Leconte. Bonjour, monsieur Leconte. Vous avez rendez-vous avec les programmes dans 5 minutes. Ça a donné quoi, les audiences? J'aurais besoin de vous parler. Demandez pas les choses. Obtenez-les. La dictature par la peur, ça marche plus. Si vous pensez que c'est mieux ailleurs, personne ne vous retient. Je vous aime bien, Antoine. J'aimerais pas que vous explosiez en plein vol. C'est pas un roman, ça? Plus personne s'intéresse à toi, alors tu déverses toute ta haine sur moi. Est-ce que tu crois que t'as le profil d'un héros? C'est minable, ce que tu fais. Quand les gens sont poussés à bout... T'es vraiment une pourriture! Faut pas s'étonner qu'ils pètent les plombs. T'es un survivant, Antoine. Ta crise cardiaque doit te permettre de réaliser ce qui est vraiment important. J'ai pas fait de crise cardiaque. On m'a tiré dessus. Pourquoi vous vouliez escalader la grille du domicile de Solange Rosberg? Parce que c'est chez moi. Vous êtes qui? Et vous? Non, chez vous, c'est 73 Boulevard Pasteur. Personne ne vous a tiré dessus. Et ça, c'est quoi? Je peux vous aider, Antoine? Qu'est-ce que tu fais dans mon bureau? Boris! Je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi est-ce que tout a changé? T'as l'impression d'être devenu fou. Que tout le monde te manque. Tu crois que c'est possible? Il faut me laisser tranquille maintenant, la rentrée chez vous. Solange, j'arrête, putain, merde. T'es en train de couler, Antoine. Tu vas entraîner tout le monde avec toi? Mais bah, tu boiras pas. Vous êtes un petit mystérieux. Tu mérites pas ce qui m'arrive. Ne demande pas les choses. Obtiens-les. Pourquoi connaître les gens et puis en fait, on se trompe tout le temps.